2, 3, 8, 12. 1, 2, et c'est 100. Tu peux t'installer, papa. Dès qu'il y a une action qu'il ne peut pas voir, je l'explique. Okay. Excuse-moi. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est prêt? Le feuilleton sur le grand stade, c'est ça? Tu éteins le téléphone. Définir le stade en un mot? Unique. Grandiose. Quelle est la qualité du stade? Compact, voilà. Ah, je dirais arène. Gigantesque. Spectaculaire. Grandiose. Énorme. Superbe. Extraordinaire. Là, on fait un bond. C'est un des plus beaux stades en Europe maintenant qu'on va voir, ouais. Pour moi, ce sera le plus beau stade de France. C'est pas par chauvinisme. Je pense que c'est... Pour moi, c'est la réalité, quoi. Bah, c'est un stade qui sera... L'un des premiers stades nouvelle génération en France. C'est le premier outil du 21e siècle, donc il y a une fierté d'être le premier et surtout une obligation de résultat. On va être comme des anges là au stade. C'est vraiment pour eux qu'on a fait ce stade. C'est pour qu'ils soient nombreux et confortables et au chaud quand il fait mauvais. On se trouve dans l'or, donc il arrive qu'il pleuve assez régulièrement. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on puisse fermer, voilà, qu'on puisse le couvrir, qu'on puisse fermer le toit. Plus aucun match n'aura de raison d'être annulé. Et quand le toit se fermera en une demi-heure, ils apprécieront la chaleur de ce stade au milieu de l'hiver frigorifiant. Franchement, ça change beaucoup de choses. Ça va changer que les abonnés vont venir, vont s'abonner, et dans peu de temps, vous allez voir qu'on sera 50 000 abonnés. Bah, ça va changer dans le sens où aller au stade, ce sera véritablement de nouveau un très très grand plaisir. Notre image va changer, notre image bien sûr nationale, je vous disais, mais l'image européenne aussi. On sera fiers de ramener les supporters européens qui sont dans le grand stade. Et pourquoi pas de voir le club évoluer encore et d'avoir de très très belles affiches. C'est surtout d'être encore plus proche de nos supporters, il n'y aura plus cette piste. On espère les sentir encore plus. Je le pense, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Steve? Non? Hein, ça va être un atout, notre grand stade. Vous ne pouvez pas venir de grands artistes dans des petits cabarets. Quand on a des grands artistes qui jouent aussi bien, il faut avoir une grande salle de spectacle. Il dit oui. Oui, oui, ça va être bien. Les joueurs seront très motivés de produire du jeu, de se donner à fond, d'avoir des résultats dans ce stade. On aura vraiment un stade qui va être à la pointe technologique. Et surtout, on aura une excellente vision. Que ce soit derrière le but, tout en haut. On est monté un peu partout avec les joueurs et on s'aperçoit qu'on verra très très bien. Que même ceux qui seront en haut, ils auront quand même une belle distance. Ils ne seront pas obligés de venir avec leurs jumelles. Voilà, il ne restera plus qu'à faire une bonne cuisine à l'intérieur de cette jolie marmite ou de ce super chaudron, quoi. Voilà. Plus le spectacle sera beau, plus les gens seront contents, plus le bouche à oreille sera fort et mieux le stade sera rempli. Peut-être qu'avec ce nouveau stade, le match sera un élément parmi d'autres. Donc plus le stade est sympathique, plus les familles viennent et plus la sympathie se crée. Mais on y va aussi pour les à côté. Enfin, c'est une bonne journée en famille en fait, hein, c'est vrai. Une grande soirée de sport et de spectacle. Aujourd'hui, nous voulons développer avec les supporters, avec tout notre public, cette image de convivialité et d'hospitalité légendaire du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, le LOSC fait partie des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur. Le public du LOSC sera sans doute plus que jamais le 12e homme pour le club. Ce ne sera plus un 12e homme, là, ça sera un 12e homme et demi, tellement il y aura du monde, quoi. Pour nous encourager, pour peser aussi sur l'adversaire. On sera tellement content d'y aller que l'ambiance sera sans doute à la hauteur de l'équipement. Il donnera une impression de chaleur, et je ne vais pas prendre un mot de chaudron parce que c'est déjà employé, mais une atmosphère sympathique. L'enceinte elle-même va beaucoup plus résonner, je pense. Voilà, avec la même ambiance, plus on va dire supporter x3 quasiment, on espère que ça va faire beaucoup de bruit. Ils vont nous entendre, ils vont nous entendre. Les abonnements. C'est super bien.
point. Bah, si on a un message à adresser aux joueurs, c'est de se montrer digne de cet équipement. Qu'ils continuent à nous faire rêver comme ils l'ont fait ces dernières années. Et qu'ils soient fiers de leurs couleurs. Et que, parce que nous, on est très très fiers de cette équipe, de cette superbe évolution. Aux joueurs, nous, on sera toujours derrière eux de toute façon. Donc, On a intérêt de faire quelque chose de bien pour qu'on soit tous gagnants. Que ce soit les supporters, nous les joueurs d'abord, parce que c'est important qu'on gagne les matchs. Et je pense que ça peut être magnifique. Notre devoir est faire que l'équipe première performe et emmène les spectateurs dans des émotions nouvelles. Joueurs, supporters, entraîneurs, présidents, ça devrait faire qu'on peut monter en puissance. Ouais, on peut monter en puissance. La preuve, depuis 10 ans, on monte. Vous n'imaginez pas une grande métropole sans un grand stade, et vous n'imaginez pas une grande métropole sans une grande équipe. Ça va devenir le grand club, de toute façon, donc ils seront obligés. Je me demande même si dans quelques années, il sera assez grand le stade. On va paraître un peu prétentieux, mais de temps en temps, c'est pas désagréable. Je pense qu'il sera trop petit. Et je souhaite qu'il soit trop petit. J'espère qu'il sera pas trop petit, ouais, j'espère.